Mais j'ai arrêté la musique. Ouais. Ah, c'est la musique du jeu. Très bien. Donc là, vous voyez le jeu. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Pas lui, et si c'est lui. Et il danse. Il danse. Là, ça commence à devenir un genre à part entière, hein, les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur McDo, là. Camfov, oh, on va mettre beaucoup. Oh! Oh mon dieu, il y a même un smoothing, là, du... Un easing de la transition, c'est incroyable. On peut mettre plus ou moins pixelisé. Moi, je suis un joueur de Quake, hein. je joue toujours au max, en fait, tout le jeu me propose. Mais bon, là, pour vous, je suis gentil. Je me dis, il y a peut-être des gens qui regardent sur la télé, on va laisser sur 80. Voilà, vous le reconnaissez, c'est lui. Eh, mais il n'existe même plus, hein, le clown de McDonald's, en plus. Hein. Voiture qui roule. C'est quoi le nom du jeu? Je sais plus. Games plus démo. Ah oui, attendez. Attendez, faut... Bah oui, mais là, je suis en train de conduire. 911. Une fille a appelé, elle dit qu'elle est pourchassée par un maniaque. Elle a miraculeusement réussi à se cacher dans une ferme. Vous devez l'aider. Leave as soon as possible. Partez aussi tôt que possible. Forêt. Ah, ça s'appelle un truc genre forêt, je sais plus quoi. Je vous dirai le nom du jeu après. Je vous dirai le nom du jeu après. Près d'une ferme... une ferme. D'une ferme abandonnée. Mais... Incroyable, le jeu, il marche en AZERTY. C'est fou. Oh, c'est ma voiture, elle est belle, hein. Oh, tu sais ce que les gens peuvent me rouler dessus? Ah non, je peux pas y aller. Oh, déception, déception, déception. Déception. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai raté un truc, là. On a gagné 3 satellites. Regardez, là, il y a... Qu'est-ce que... Aliens. Ah, oui, c'est... Ouh là là, on est dans les dans le style Slender 2010. Oh, j'espère que je vais pas devoir chercher des notes. Alors, tu dois aller à gauche. Je sais pas qui me parle, mais d'accord. Je suis à gauche. Moi, j'écoute, hein. Je suis un gentil. Où est le sang? D'où le sang vient-il? Effectivement, il y a du rouge par terre. Mais je peux pas bouger! Ah, c'était un bug, c'était un bug. On doit sortir de là. Ok. Bon, ça va, il m'a juste mis derrière une maison. Oh, on s'en fout de la fillette qui a appelé? Oh, le rire de Ronald McDonald, là. Ronald... Ouais, Ronald. Mais je l'entends avec ses petits pieds de clown, là, mais je le vois pas. Parce qu'il y a plus d'arbres, là. Hein. C'est la fin des arbres. Je sais pas ce que je cherche. Oula. J'ai la plus grosse clé du monde. Oh mince, il est là. Oui, il m'a pas vu, c'est bon. Pas de panique. Ou alors... Ah, je crois qu'il m'a vu, en fait. En vrai, je pense qu'il m'a vu. Mais punaise! Mais c'est trop dur! Je sais pas où il est, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est... Bizarre, il a juste fait des trous. Find crowbar. Voilà, je comprends, je comprends. Je saisis. Ah, il est porte dans la tête, là. Je vois rien. Les tiroirs me poussent.
Lit d'acrobat. Les toilettes. Bravo. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Run. Merci. Je vais aussi à monter sur le lit par la force du Saint-Esprit, là. Je vais sortir, il va être juste devant. Il va me tuer. Et voilà, je suis un génie. Et il passe à travers les portes, parce que pourquoi pas. Oh, attendez, j'ai une idée. Ouf là. Merci. Voilà, c'est bon. Punaise, il est coincé dans la porte, quoi. Oh. Incroyable. Oh là là, le jeu va être relou de fou. Bon, on va déjà chercher une crowbar. Je vous propose la crowbar direct. Ça sert à rien de prendre la clé et de rentrer dans le bâtiment si on n'a pas de crowbar. Je sais pas où il commence. Il spawn où, tout ça. Ah d'accord, donc là on a un truc. On va quand même bien réussir à finir un jeu qui fait 10 minutes, non? Ah mais il zone en fait. Ah, il est là. C'est bon, on peut y aller. La voix qui se sait cet endroit là. Y'a pas de crowbar là-dedans. Ah. Oh mon dieu, je fais le jeu à l'envers en fait. Ah, la fillette est morte. Ah d'accord, on a seulement vu ça. Oula, je suis pas du tout discret avec ma crowbar. Est-ce que... Bien oui. Alors attendez, je vais lâcher ça, voilà. Le pire survivant du monde. Bon, on sait où se trouvent les deux objets. Où est la... Oula. Maintenant faut juste la clé et puis c'est win. Je pense sérieusement que si on a la clé c'est gagné. Voilà, comme ça on a tout. Je sais pas où il est là, c'est stressant avec ses gros pieds de clown. Il aurait dû le dev mettre un truc, vous savez, genre... Point, 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 quand il marche. Ça c'est drôle ça. Oh, il est juste là. Mais punaise, il... Pute! Ouvre la porte! Mais c'est pas possible! Oh, non mais... Au secours! Bon. On sait où tout se trouve. Ça va être long. Mais non, moi, je pense sincèrement que... Dès qu'on a la crowbar et qu'on va dans la maison, c'est fini. Pour l'instant, tout se passe bien, hein, Je peux pas passer? C'est quoi ça? C'est la clé de la sortie. C'est la clé de la sortie. Il y a juste à courir à la sortie. Et c'est gagné, je suis sauvé. Qui est là? Et c'est la fin du jeu. Mais j'ai pas le temps de courir! He's in the back. We need to run. À la voiture. Oh punaise, mais c'est pas à droite, c'est à gauche. Je suis asthmatique. 100%. Ah oui, ah, j'avais pas vu. Voilà, ça y est, asthme. De l'asthme.
Oh attendez, si je tapote shift, ça marche. Je suis dans une espèce de semi-course. Mais je suis flic, j'ai pas de flingue. Voilà, et ce qui est incroyable, c'est que je n'ai plus de souris. Je vais être obligé de faire Alt F4. Pempot, thanks you for playing. Pas d'inter... Ah, non, pas d'intertitre. Ah non, non, j'ai dû faire Alt F4. Cri de détresse, je crois que oui, hein, en vrai. Hein. Source de lumière, oui. Écran des options. Asthmatique. Alors, note à lire, non, parce que du coup... il faut qu'elle soit en surimpression dans l'écran. Style PS1 ou pixelisé, je travaille, vraie musique, voiture qui roule, toilette ou salle de bain. Bizarre, ça ressemble à rien. Je vous offre un petit cri de détresse également. Téléphone qui sonne au début. Ouais, c'est... Ouais, non, ça fait téléphone qui sonne pour une radio, c'est bizarre, mais ouais. Ah, c'est intéressant cette forme, hein. On dirait un petit chien. Genre, là, la tête, quoi. Là, c'est la queue, et puis, bah, les pattes, là. 9, 10, 11, 12 12, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas l'emoji avec le gars qui se touche les doigts en mode timide. Comme ça, quoi. Je sais pas. Je pensais jamais voir Willon faire ça. Écoutez, je peux faire plein de trucs, hein. Je connais plein de signes, hein. T'as de grands doigts. Bah, des doigts normaux, quoi. Je peux faire plein de trucs avec mes doigts. J'ai pas fait exprès, je vous jure. Je voulais juste montrer mes doigts et... Et paf. Non, mais... Yorven s'est réabonné pour son 10e mois. En vrai, je supporte pas le... Le pitch shift dans les musiques. Donc, c'est non pour moi, Jules, là, en vrai. J'ai essayé un peu, hein, pour comprendre pourquoi, mais j'arrive vraiment pas. Mais bon, il en fout pour tous les goûts, hein. Et le mec a un succès phénoménal, c'est incroyable. Il monte ses doigts en live. Je peux pas montrer ses pieds sur internet, mais les doigts ça va quand même. Je fais plein de trucs avec mes doigts, mais écoutez, on fait tous plein de trucs avec ses doigts. Je vois pas à quoi vous pensez, en fait. Qui ne fait rien avec ses doigts? Vous avez 10 doigts et vous en faites rien, vous? Et voilà, c'est beau, hein. Ça s'appelle Mimic. C'est parti. Il y a une cinématique. Ah, du coup, introduction. Alors, pas encore officiel, hein, mais officieusement, ça, ce sera une introduction par la suite. Y a pas de gameplay pour l'instant. Image cramée, vous voyez pas normalement, là? Mimic. Là, le meuble, il essaie de venir dans notre dimension, le meuble. Quelque chose de mal arrive avec mon enfant. Est arrivé du coup... il y a quelques semaines, il a disparu. Il est ensuite revenu. Mais ce n'était pas le même. Aucun docteur n'a pu expliquer ce que mon fils a traversé. Quelque chose ne va pas avec lui. Il continue de parler de quelqu'un nommé Horatio. Horatio Kane. Yeah! C'est old ça en fait. Plus personne connaît maintenant. Et des cauchemars le tourmentent tout le temps. Je suis sa mère, pardon. Et je vais prendre soin de lui jusqu'à la fin. Oh là, la petite crosshair, elle bouge. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Camionnetta. C'est chez moi. C'est une salle de bain. Je peux pas tirer à la chasse. Je peux pas prendre de bain. J'ai pas de miroir au-dessus de mon évier. Lavabo. C'est relou. Pourquoi il y a deux mots en fonction de la pièce? C'est chiant. Évier, lavabo. Mystérieuse disparition d'un enfant. Cela sème la pagaille dans une petite ville. Plusieurs parents ont exprimé leur angoisse à propos de la disparition de leur enfant. Les témoins rapportent des silhouettes avec un masque rouge. Ils ont décrit les silhouettes comme étant sinistres et malaisants, créant une atmosphère de paranoïa collective. Alors que l'enquête continue, les habitants de la petite ville ont du mal à maintenir leur espoir alors que la peur grandit.
Pendant ce temps-là, les rumeurs et les spéculations à propos de la silhouette avec le masque rouge continuent de se répandre comme un voile noir et sombre au-dessus de la communauté. Il est 3h du matin. J'ai des fenêtres. Je ne veux pas ouvrir, je ne veux pas ouvrir la porte à cette heure. Oula. Pourquoi il y a plein de petits... Ravioles, c'est le jouet favori de mon enfant. D'accord, mais on fait quoi? On va juste voir notre enfant, il dort quelque part. La vaisselle n'est pas faite. Hein. C'est cassé. Un verre d'eau. Oh, pitié. Il ne reste que un citron à presser. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. C'est faux. C'est complètement faux. Ce jeu ment. J'ai fini ma période True Crime Netflix. J'ai eu une petite période comme ça pendant un certain temps, mais j'ai arrêté. Les dessins de mon enfant. Ok. Le gamin, il a rien dans sa chambre, il a juste une télé. Il a rien d'autre. Juste une télé et une balle. La balle de Tommy. Et il est allongé, il n'a aucune couverture. Il sourit là, qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je vais juste voir son petit placard là. Légèrement ouvert. J'ai encore rêvé que je tombais dans le sol. Et quelque chose m'attrapait sous le lit. Maman, je ne veux pas que Horatio me prenne. J'ai vraiment soif. Je le savais, punaise, ce verre qui était dans la cuisine. Est-ce que tu peux m'apporter de l'eau? Bien sûr, je suis une serveuse, fiston. Allez, on traverse sa maison, on va lui apporter son petit verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, quelqu'un observe mon fils par la fenêtre. Je ne peux pas l'utiliser. Bah, comment tu mets du... Oh, il y a des bruits dehors. De toute façon, on est dans une maison, hein, ça sert à... la bonne eau de la salle de bain. Maman, je pense que Horatio est dans mon placard. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Ne regardez rien du tout. Voilà. C'est bon? Allez, c'est l'heure de faire dodo maintenant. Ça n'existe pas. Je ne veux pas être tout seul. Il va me prendre si je suis tout seul. Maman, tu peux m'apporter raviol? Il me manque. Mais pourquoi tu l'as pas pris avant? Non mais c'est fait exprès pour pas que tu dormes. Toujours un truc pour pas dormir. Mais je suis jamais allé dans cette pièce. Ah, raviol, c'est lui ou c'est l'autre? Ah, c'est camionnette, ça. Il va disparaître. Mais non! Tout de suite. C'est personne. C'est personne. C'est 100% personne. Je ne peux ouvrir. Ouais, c'est personne. Ah, c'est bon. Ah, les enfants de nos jours, je vous jure. Tiens, voilà. On regarde pas la télé avant de dormir, mec. Je sens quelqu'un derrière mes yeux. Il me regarde, maman. Il nous surveille depuis les ombres, maman. Ses pieds ne touchent jamais le sol. Raviol est vraiment seul sans camionnetta, maman. Est-ce que tu veux bien m'apporter camionnetta? Allez. Bonjour. Allez, maintenant c'est dodo, hein. Me dis pas que t'as besoin d'une couverture quand même. Maman, Horatio est là. Je sens son arrivée, il est juste là. Ne laisse pas entrer dans la maison. Les fenêtres, maman, elles sont ouvertes. Pourquoi les fenêtres sont ouvertes? Qu'est-ce qu'il fait pas pour... Là, c'est pas ouvert. Oh là là, mais...
Eh, faut dormir là, hein. Mais qu'est-ce que t'as fait dans ta chambre? Mais ça va pas ou quoi? La personne qui comprend rien. Maman, je n'ai plus besoin de toi. Qui c'est qui va t'apporter ton eau? Je n'ai plus besoin de mes yeux pour voir. Je deviens les ténèbres. Horatio est là et va me prendre avec lui. Effectivement, il ne touche pas le sol. Et il a des pieds. L'adolescence. Ping, ping, ping. Excellente musique. Oui. Je l'ai vu. Ah. Oh. Oh, ça revient sur le menu. Oh, c'est incroyable. Ah, j'ai bien cru que c'était le Alt F4, mais non. Non, c'est bon. Non, j'ai pu cliquer sur échappe. Commence dans la chambre. C'est vrai, hein, il semble. Présumé mort à la fin. Toilette ou salle de bain. Voilà ce qui fait 6.